Yo à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Tony Mats et on continue sur Final Fantasy niveau 4 je pense. Je pense que ouais. Qu'on est déjà... Ah ouais. Bon, on continue avec notre amie Tifa, voilà. On va continuer à faire des petites missions avec elle. Et il y a une petite mission par ici, voilà. On va voir ce qui se passe. J'ai rien fait, laissez-moi! Arrête de résister! Lâchez-moi la grappe, sale chien de la Shinra! La ferme, espèce de fouine! Oui, oui. Aïe, 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 aïe! Qu'est-ce Mais qu'ils vous font? me faites mal! Il paraît Foutez-moi que la quelqu'un a paix! volé de la poudre à canon Vous dans allez l'un me des lâcher, entrepôts de la Shinra. ouais! Aïe! Johnny s'est fait interpeller par les gardes, mais tu sais bien quel tempérament il a. Ça doit être lié à la destruction du réacteur. Le pauvre Johnny. Il va encore se prendre une bonne raclée. Il se peut qu'il ne le relâche pas de sitôt cette fois. Il faut que j'aille le libérer. Pourquoi, c'est un des vôtres? Non, mais... Malheureusement, j'ai l'impression qu'il commence à deviner nos activités. Et surtout, il a la langue bien pendue. Il faut absolument le sortir de là. Je m'en occupe. Je t'accompagne. D'accord. Mais tu... C'est à mon tour de t'aider cette fois. Et on va t'aider, okay. T'inquiète. Merci. Eh ben, de rien. On est là pour ça. C'est parti. On va suivre notre copine Tifa. Bon, t'es pas encore notre petite copine, mais bon. Peut-être dans l'avenir. On sait pas. Je connais pas le jeu. On continue à le suivre, quoi. Il n'y a pas de caisse, non. Il n'y a pas de caisse pour l'instant. D'accord, en fait, on se cache pour l'instant. On va les attaquer par derrière. On sait que t'es allé dans l'entrepôt. Ton badge est enregistré dans l'historique. Quoi? Il y a erreur sur la personne. Je me suis jamais approché d'un entrepôt de la Shinra, moi. D'accord, bon, bah, c'est nous. T'as volé sa carte, quoi. Ouais. Bon, on peut se déplacer, il peut plus nous voir, logiquement. Oh non. Faut surtout pas qu'il en dise plus. On y va? Attire l'attention des gardes. Moi, je m'occupe de Johnny. D'accord, bon, bon, on va y aller. On se dépêche, avant qu'ils se font... qu'ils parlent, quoi. Ou qu'ils se font tuer, quoi. Et t'es qui, toi? Un complice? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce qui est là? Alors, vous êtes venu me sauver, c'est ça? Vous êtes qui, je crois? Halte là! Vous vous croyez tout permis? Maintenant, on n'a plus le choix. Bon, c'est vrai qu'il a une grande langue. Ah bon. Bon, bah, pour l'instant, je ne peux pas utiliser les trucs. Je voulais utiliser le groupe de feu, là, mais je ne peux pas. Allez, c'est parti. Je vais le lancer sur lui, regardez. Hop. Hop. Et voilà, ça c'est fait. On le coupe la tête. Bon, on l'a pas vu, mais je lui coupais ça quand même sa tête. Pour l'instant, je sais pas trop. Hein. Regarde, je fouille. Pour moi, ça t'apprendra de parler. Regarde, je prends mon temps, je prends mon temps. Bon, allez, c'est fini. On fait comment? Mieux vaut le faire taire. Hein? Hé! Oh! Arrête! Mais! Me dis pas! Non! Attends! Oh! Me fais pas de mal! Si tu tiens pas à te faire buter, disparais de la ville. D'accord! Vous avez ma parole! Je vais partir à l'autre bout du monde! Tu veux vraiment qu'on en reste là? Tu sais qu'il y a de gros risques. Oui, je sais. Mais ça suffit. Et ceux-là? Oublions-les. Cloud, tu me fais peur. Filons d'ici avant que les gardes. D'accord, mais... Ils nous ont vus, hein? Il peut savoir qui on est? Non?
Bon bah d'accord, on les laisse comme ça, moi je dis rien. Hein. C'est pas mon métier, quoi. J'espère que ça va aller pour Johnny, le pauvre. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Partons d'ici. Ok. Quoi? Tu sais, Cloud, t'as vraiment changé. Comment ça? Par exemple... ton regard. Il était pas comme ça avant. J'ai des yeux de soldat. C'est la Mako. Je vois. Mais avant d'aller au bar, tu voudrais pas faire un tour rapidement à la résidence? Il vaut mieux se reposer après tout ce travail. D'accord, pas de soucis, on va y aller. On va aller se reposer, quoi. Voilà. Allez, on y va. C'est parti, alors c'est là. Le... Bah où on habite, quoi, pour l'instant. Tiens, vous êtes de retour plus tôt que je pensais. Vous tombez bien. J'aimerais que vous changiez les filtres dans vos appartements. Je les ai déposés à l'intérieur. D'accord. Attends un peu, mercenaire. J'ai une requête pour toi. J'aimerais que tu sois gentil avec Tifa. Je pense que je le suis déjà. Je te parle d'être attentionné, pas intéressé. Il y en a tellement qui lui tournent autour. Mais toi, t'es différent des autres, hein? Au travail. Ouais, ça c'est clair, hein, parce qu'il l'aurait déjà pécho depuis longtemps, les autres. Ouais, c'était les autres, quoi. On va commencer par changer les filtres. Ok. Dis-moi quand tu auras fini. Mais bon. Peut-être pour l'instant elle veut pas de copain, c'est pour ça qu'elle a trouvé personne. Alors c'est ici qu'il faut aller. Voilà, voilà. Allez. Hop. Elle est en train de changer son truc là. C'est parti. Bah non, on peut changer de pièce. Bon, on peut aller dans l'autre chambre. Allez. On va voir notre copine Tifa. Tifa. Alors, Attends un peu. Allez. Je me dépêche, une seconde. D'accord. On t'attend, t'inquiète, prends ton temps. Ça y est. Au moins, on peut te regarder. Voilà. Raconte-moi. Après le village, t'as fait quoi? Hein? Tu m'avais promis. Tu sais, dans le bâtiment de la milice. Ah. Pendant la guerre, les soldats étaient considérés comme des héros. Oui. Tous les jours, je guettais les infos. Mais... au moment où je suis devenu soldat, les choses avaient déjà changé. Malheureusement, rien n'était comme je l'avais rêvé. Je devais juste travailler pour la Shinra, c'est tout. Pardon, tu n'as pas envie d'en parler. Un travail où on manie l'épée, c'est pas le meilleur des sujets pour des retrouvailles. Je comprends. Quand même, la vie nous joue des tours. Le jour où on s'est séparés, si on m'avait dit... qu'on finirait par se retrouver, et aussi loin de notre village... J'ai une idée. Si on fêtait nos retrouvailles, on va se faire beau. Se faire beau? Qu'est-ce que tu crois? Même moi, ça m'arrive, tu sais. Mais... t'as des vêtements? Non, pas vraiment. Mais je me débrouillerai. Quel genre m'irait, tu crois? Un style exotique? Ah oui? C'est ton truc? Mais je me demande si ça m'irait. Faudrait que tu mettes un truc assorti. D'accord. C'est vraiment une chouette idée. J'ai hâte. Oui. Moi aussi.
aussi. Très bien. Assez discuté de ce qu'on va porter. Allez, retour au bar. Oh, mais tu veux pas te reposer? Je pense qu'on n'a plus le temps. Pas un mot à Marle. D'accord? Ok, pas de soucis. Allez, on y va. Hop. Bon, elle voulait pas ouvrir la chambre, hein, c'est bizarre. Je rigole. Allez. Alors, c'est où? Ah oui, elle est là. Ah, Marle, on a changé les filtres. On retourne au bar, du coup. Je vous remercie. Et dis donc, t'as l'air de bonne humeur tout à coup. Tu trouves? Je me sens comme d'habitude. Je vois que tu te débrouilles bien. Tu souris enfin? Continue comme ça, d'accord? Tiens, je te donne même une avance pour la suite. Je compte sur toi. Merci. Bon, on y va, quoi. On va y aller. C'est parti pour aller là-bas dans le... Bah, dans le restaurant, quoi. Au bar, au restaurant, bar. Non, c'est plus un commun bar. Allez. C'est parti. Voilà, on est arrivé. Tu dois être fatigué. Ouais, un petit peu. Mais bon, il faut se délasser après le travail. Que dirais-tu de boire un cocktail spécial dans le havre de paix qu'est le 7e ciel? Tifa. Je crois que moi aussi, je suis fatiguée. Dis-moi, est-ce que tu comptes t'installer à Midgar pour de bon? Je pense, ouais. Je vais continuer de bosser dans le coin, mettre des guildes de côté. Je vois. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On continue de faire le tour du quartier? Salut, vous deux. Bonjour. Vous vous promeniez? Ouais, en quelque sorte. Bon, rassemblement au sous-sol. Ah bon, déjà? Alors, la prochaine opération... Marlène, tu vas attendre Jessie devant l'entrée. Oui. Tu sais ce que ça veut dire. On part en mission demain. Faut qu'on aille en discuter. Et ma récompense? On n'en a pas encore parlé. J'ai pas le temps, maintenant. Alors tu vas attendre qu'on ait fini notre réunion. Tifa, on a du boulot. Je suis désolée. Tu vas devoir encore patienter. Pour m'excuser... Prends un tabouret. Qu'est-ce que je vous sers? Un truc fort. J'en ai besoin. Alors, la plupart de mes clients me font des compliments. Et c'est bien mérité. Ah, vous êtes connaisseur, je savais que ça vous plairait. Je vous propose ensuite... notre spécialité, le cocktail Cosmo Canyon. Magnifique. Faut que j'y aille. Fais comme chez toi. Hein? On est des stars. Les infos parlent de nos exploits, même s'ils nous dénigrent. Avalanche serait l'ennemi du peuple pour avoir détruit le réacteur. Sacrée poussée d'adrénaline. Ils n'ont pas révélé nos visages, donc on est en sécurité ici, mais on n'a pas de temps à perdre. Au fait, tu viens à la prochaine mission? Peut-être, si on me paye bien.
Ouais, t'inquiète. Je vais négocier ça pour toi. Tifa doit nous accompagner pour cette mission. Mais j'avoue qu'elle a pas l'air d'approuver nos méthodes. Elle est pas d'accord pour utiliser des bombes. Elle pourrait hésiter et... On se retrouve souvent en situation de vie ou de mort. Quand c'est comme ça, c'est mieux de se savoir soutenu par quelqu'un d'efficace comme toi. Comment je vais pouvoir m'occuper ? On se le donne. Bon, voilà, il y a une machin pour faire de la musique, quoi. Ouais, j'en ai. Il y en a que deux. Je pense que ça s'achète dans les petits magasins, ça. Il y a le jeu, le fléchette. D'accord. Bon, pour ça, je suis pas très. Bon, il faut lancer, mais bon, après, ma manette, elle est un peu. Tout bizarre, quoi. Hop. Ça, ouais. Hop. Attention, je suis devisé. Hop. Bon, c'est pas ça, hein. Attention, encore. Attention. Hop. Voilà. Bon, c'est un petit jeu comme ça. Hein. Je veux pas très me... m'acharner dessus, quoi. Voilà. Et j'ai fait comme pointe. Ouais, ça va, mais... 7e. D'accord, d'accord. Je vais attendre patiemment. Ouais, allez, on va attendre, là. Et après, voilà, voilà. On va commencer l'autre mission, comme ça. N'a pas l'air de te plaire. Je sais qu'on n'arrivera à rien si on change pas nos méthodes. J'en suis tout à fait consciente. Mais quand même... Je me sens perdue. Si t'es pas sûre de toi, mieux vaut t'abstenir. C'est fini. T'étais parti avant la fin, c'est ça? On s'est disputé. Bon, sinon, tu veux autre chose? Tifa, qu'est-ce que t'attends? On fait ça, alors mets les petits pains dans les grands. On se passera de toi pour la prochaine opération. À ta place, j'irai chercher un autre boulot. C'est justement ce que je comptais faire. Tant que j'ai pas de contrat, rien ne m'oblige à vous aider. Je me doutais que tu dirais ça. Tiens, c'est le reste de ta paye. Et j'ai même ajouté un petit bonus. Donc voilà, t'es libre de tout engagement. Bon, désolé, mais tu peux pas rester. Je préfère célébrer en privé. Je me suis un peu avancée, désolée. On a débattu à ton sujet et... Comment dire ? On a pensé qu'on comptait un peu trop sur toi, alors que t'es pas concernée. Jessie, on t'attend. J'arrive tout de suite. Pardon, il faut que j'y aille. T'inquiète pas. Ça t'embête pas si on discute après la fête ? T'en fais pas, je te dis. Jessie ! T'abuses trop, là, sérieux ! Oh, Ben, à plus tard. Ça va, y a pas le feu.
D'accord, bon, on m'a viré, quoi. D'accord. Mais je voulais continuer la mission, hein, monsieur Barrett. Ça fait du bien par où ça passe. Bon, allez. C'est parti. Ah, je sais pas quoi faire, quoi. Je pense qu'il faut retourner. D'accord. On a une nouvelle mission à faire, on dirait. Dis-moi, t'es du quartier, toi ? Plus ou moins. Tu connais pas un grand gaillard qui a une arme à la place du bras droit ? Son repère serait par ici, d'après ce qu'on dit. Ouais, peut-être. Toi, t'as du nez. T'as senti que tu pourrais te faire un peu d'argent. 500, ça te va ? Je dis 200. 300 ou rien. D'accord. T'as intérêt à nous dire tout ce que tu sais. Viens par là. Bon, ben, on dirait que. Qu'on va suivre eux. T'as un problème, toi ? Bon, je pense qu'on pas qu'on va parler, mais bon. On les suit quand même, hein. Logiquement. Dégage ! T'es dans le passage ! Parce que, quand même, c'était nos anciens partenaires. On va pas les trahir, quand même. Bah, j'espère pas. Rien à voir avec Wall Market, hein. Allez, plus vite. J'ai envie de savoir ce que tu as à nous dire. Ils vont ralentir, hein. C'est pas possible. Mieux éviter de lui chercher des noises. Ah, c'est là-bas. Si tu veux mourir jeune, ou peut-être c'est un piège. Peut-être qu'ils vont m'enfermer là et j'aurai des monstres à attaquer. Vas-y, quoi. Passe devant. Parce que c'est bizarre, t'inquiète, regardez. Tu me laisses passer devant comme par hasard. Comme par hasard. Alors, il est où le gars qu'on cherche ? Tu le sais ou tu le sais pas ? Comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, peut-être. Assez joué. Tu nous fais perdre notre temps. Ça sent la Shinra, tout ça. On travaille pour une personne que même la Shinra respecte. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Ah ouais, d'accord. Bon, allez, découpage. Allons-y. Découpage des corps. Voilà. Allez, c'est parti. Pouh, les deux. Tiens. Voilà. Et toi, tu dégages, le chef. Hop. Toi, tu as un problème, toi ? J'ai déjà tué ton chef. Je sais absolument rien. Ouais, c'est ça. Allez, hop. Je m'en fous. Voilà. Le mec, je l'ai pas. Je m'en fous. Je l'ai même pas laissé parler. C'est pas mon problème. Alors, y a pas de coffre ici ? Non. J'ai tout récupéré, d'accord. Rentrer me reposer. Ouais. Allez, on va se reposer. Et on n'a pas parlé, hein. Voilà. Bah oui, on n'allait pas trahir nos partenaires, quand même. Même si on s'est fait quand même virer comme... On s'est viré, quoi. Comme juste comme ça. Bon, je m'ai trompé de chemin. On y va. Bon. Je me demande, la prochaine mission, ça sera quoi? Si j'en ai plus... On verra bien. Allez. Ah. Salut, chérie. Je t'attendais. Oh. T'as le droit de rigoler ? Oh. J'aimerais te parler en privé. Tu peux me laisser entrer ? Il veut pas rigoler, je pense. Bien, entrons dans le vif du sujet. Et cette fois-ci, c'est pourquoi ? Pour m'excuser de ne pas avoir su convaincre Barrett. Hein ? Et si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est ? Une transaction. Oui, exactement. Mais je te préviens, je te demanderai de ne surtout pas en parler aux autres. C'est une affaire strictement personnelle, et j'aimerais régler ça cette nuit. Cette nuit ? Oui. J'aimerais que tu viennes avec moi. Que tu m'accompagnes jusqu'au plateau du secteur 7. Je t'expliquerai tous les détails en chemin. Moi, ça me dérange pas, mais... Et demain ? T'as une mission qui t'attend. Je sais bien, mais... Si je fais pas ça maintenant, on risque d'avoir de gros problèmes. Alors, je peux considérer que tu acceptes ce marché ?
Disons que c'est un acompte. D'accord, d'accord. Bon, bon, on va travailler avec Jessie, quoi, maintenant. Je pense pas qu'on sera de retour avant demain matin. Voilà, voilà. Tu devrais bien te préparer avant de partir. Je suis déjà prêt, mademoiselle. Allez, c'est parti. Oh oui, j'ai rien à faire d'autre. C'est bon, t'es prêt? Oui. Bon, on se retrouve c'est à la gare parti. À la nuit tombée. Je compte sur toi. D'accord, pas de soucis. On doit aller au train, alors. D'accord, d'accord. En tout cas, ça paye pas trop mal. Mmh. Oh ! Pas de chance ! Y a plus de train ce soir. Le service a fini plus tôt que prévu. Pour vous dépanner, on a emprunté ces motos. On va pouvoir aller là-haut. Comment vous avez su ? Facile, on voyait bien que t'étais bizarre. À chaque fois qu'on discutait avec toi, t'avais l'air perdu dans tes pensées. Mais par moments, t'étais excité comme une puce. Ok, mais quand même, comment vous saviez que je comptais aller là-haut? Attendez, je réfléchissais à voix haute, c'est ça? On s'est simplement dit que tu voulais aller voir tes parents ce soir. Dans le mille, non? Je suis touché. Et je sais que c'est gonflé de notre part, mais comme nous, on n'a pas de parents, on aimerait bien que tu nous fasses un peu profiter des tiens. Et toi, tes parents? Hein? J'en ai plus. Bon, ben allez, pourquoi pas? On partagera nos peines comme une vraie famille. Ouais! Les gars! Vous avez vos nouvelles fausses cartes d'identité? Ouais, capitaine! C'est parti, en avant! Allez, mais les gars, accroche-toi! Tu m'entends? Ouais. Si je veux aller là-haut, c'est pas pour les raisons que Biggs et Wedge s'imaginent. Tu sais, j'ai repensé à l'explosion du réacteur. Elle était si forte. À cause des vapeurs de Mako. C'est pas ce que tu disais? Ouais. Ou plutôt, c'est ce que j'espérais. Mais en fait, j'ai ma part de responsabilité. J'ai découvert que j'avais installé une charge plus forte que celle indiquée sur le plan. Donc, tu vois, il n'y a pas à chercher plus loin. Et alors? Tu comptes faire quoi? Je vais remplacer la charge de la prochaine bombe qu'on va utiliser. Seulement, comme j'arrive pas à joindre mon fournisseur habituel, je vais me servir dans un entrepôt de la Shinra. Ah ouais, carrément. C'est quasiment impossible. Sauf si tu viens avec moi. Oh. À contrôle! Prêt? C'est parti pour un tour de moto. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, faut que j'arrive à la gérer la moto, hein, parce que regardez, elle est un peu trop rapide pour l'instant. Ouais, je sais. Avec la manette, quoi. Sérieux? Oh là là, ils sont toujours là. Hein. On est collés ensemble. Alors, quand j'arrive sur eux, c'est en fait c'est un peu trop tard, je crois. Bon, la personne sur le. Attendez, là c'est bon. Ouais, t'inquiète pas, je vais essayer de t'en donner des tournis, mais. Regardez! Regardez, allez, t'as pas de tournis là. Oh oh. Tu vois? Oh là 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 là. De mieux que quelques épreuves pour rapprocher un homme et. Oui oui, d'accord. Ah d'accord. On dirait qu'elle aime bien avec Colin ou quoi. Mais bon, je me protège, d'accord. Ça c'est pour accélérer. C'est parti, attends-moi. Je vais te découper en deux avec mon. Ma punaise! Voilà, ma punaise d'épée. Ma grande épée. Voilà, voilà. Allez! On dirait que ça arrive par derrière encore. Allez, c'est parti! Oh, il est cool ce moment quand même. Ah, surtout quand j'arrive à les toucher comme ça. Hop! Voilà, ça tu dégages de ta moto. On va essayer de dégager celui-là de sa moto aussi. Voilà, voilà. Allez, allez!
Hop là! Bon, je suis pas allé bien droit comme eux. J'ai un peu atterri dans le mur. Voilà. Alors, allez. J'essaie de te dépasser. Oh, nice. On peut jamais s'amuser tranquille avec vous. Hein. Attention. T'inquiète pas. D'accord. Tu devais avoir pris le mur, toi, là, sur le côté, là. Le mec, il allait prendre le mur, il l'a pas pris. Il est... Sa moto, elle a fait... Oh non, il y a un mur, je ne rentre pas dans le mur. Je m'en fous. Attention. Hop. Hop, ça te dégage. Voilà, ça s'est fait. On continue. Oh là là. Ils arrivent. Il en arrive encore. Allez. Ah bah oui, hein, on est... D'habitude, on devait même pas être là, c'est normal. Oh mince, ils ont une bombe. Ils ont des bombes. Hop. Allez, tu dégages, toi, derrière. Oh là là. En plus, ça me fait arrêter quand ils me balancent des bombes. Toi, tu arrêtes de balancer des bombes. Ah, ça a pas marché, le truc que je voulais faire. Bah, en fait, ça a un peu fait, mais ça l'a pas tué, quoi. Hop. Oh là là. Hop. Allez, toi tu dégages de là. Voilà, ça c'est tout. Voilà, ça j'ai réussi au moins maintenant. Allez, toi tu dégages. Allez, hop. Hop. Oh, je suis presque. Attention. Ouf. Allez. Oh, j'arrive pas à te toucher. Et hop. Voilà, tu pouvais pas aller loin. On était tellement collés ensemble que j'arrivais à faire la technique que je voulais, quoi. Allez, vers l'avant. Oh mais c'est des mini-machines maintenant. En plus, ils balancent des protections. Oh bon, au calme. Allez, toi, tu dégages. Oh bon, ça va, ils sont tellement faciles à casser. Regardez, hop. Allez, les petites mouches. Les petites mouches à écraser. Hop. Allez, toi, tu dégages. Toi aussi, voilà. Ça, c'est fait. Tranquille. Vers l'avant. Bon, pour l'instant, ils se mâchent rien d'intéressant. À part écraser les adversaires. C'est quoi? Un message du soldat. Il se charge de prendre les fugitifs. D'accord. Un soldat. Ça veut dire qu'il arrive. Oh, un soldat. Ah, ça veut dire que c'est un boss, quoi. Oh, c'est cool. On va affronter un boss. Hop. Hop, hop, hop. Attention. Et bah la princesse, fais attention, hein, tu vas bien coller à moi. Sinon tu vas tomber. Hop, hop, et hop. Voilà, voilà. Attendez, j'arrive. Hop. Hop, 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 attention. Hop. Allez, toi tu dégages de ta moto, voilà, ça c'est fait. Voilà, voilà. La patate, quand on va affronter le boss. Bah non, vous êtes bon aussi, hein. Hop. Vous êtes bon aussi, les gars. On est passé. Bien joué. On continue comme ça vers la gare? Non. Allons au garage. Oh. Notre petite escapade en amoureux est déjà faite. On peut continuer tous les deux si tu veux. On les laisse faire et nous, ça, ouais. On continue. Bon, bon, bon. Oh non, il y en a d'autres. Oh, on était en train de conclure. C'est une blague. Allez, toi tu dégages ta moto. Attendez, hop, hop. Voilà, toi tu dégages. Arrêtez de toucher mes potes là. Hop, voilà, ça c'est fait. Attention, accélère. Hop, hop, et hop. Ça c'est bien. Voilà, voilà. On continue tout droit. Il y en a encore deux. C'est trop tard. On rentre avant de se retrouver. De quoi c'est trop tard? Bien reçu. Allez, allez, dépêche-toi la moto. Qu'est-ce qui se passe? Hé, hey, coucou! Quoi encore?
Faut aller plus vite si vous voulez pas qu'on vous rattrape, les gars. Ouais, d'accord, bah allez, viens. Viens, on se barre. Attends. Hey, pourquoi tu te barres? Allez, viens. Moi aussi, je veux participer. Bah, si tu veux, hein. Attends. Ouh, oh, mais fais attention. T'allais me faire tomber de la moto. Petite, c'est à moi que tu parles. Attention. Hop, oh. Ouh, 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 ouh. Attendez, faut que j'arrive à lancer des trucs de loin. Voilà. C'est ça que qu'on fait. Ah, t'as vu? Bon, si je le fais. Oh, bah, sauf que j'arrive pas à faire le double, moi, pour l'instant. Hein. T'as en envoyé qu'un. Accro à la vitesse. Attention, hop. L'as de la moto. Ouais, d'accord, hein, l'as de la moto, hein. Tiens, qu'est-ce qu'il sort? Attention. Hop, hop, hop. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Oui, bah bien, qu'on s'affronte comme des hommes, quoi. Hop, hop, voilà, ça c'est fait. Hop. Ah, tu essaies de t'éloigner, hein. Hop. Oh là là. Ouh, en plus, il envoie des décharges électriques. Oh là, il a esquivé. Il a esquivé le tout. Voilà, ça c'est bien. Allez, la bagarre. Voilà, hop. C'est quoi ce timbre? Ce timbre. Ce timbre. Ouais. Allez, hop. Malheureusement. Oui, c'est un. Hop, hop. Oh. La moto n'est pas qu'un simple véhicule. Vous la traitez comme si c'était une partie de toi-même. Allez, toi, tu dégages. Oh là là, oui, aïe. Oh, il balance des écharpes d'ici. Oh, c'est bon, hein. Oh. Le mec, il s'est pris pour la météo, quoi. Allez, tu dégages. Hop. Oh là. Ouh, qu'est-ce que tu fais, là? Dégage. Voilà. Alors, hop. Alors, c'est bon, là? T'en as assez bu? T'as vu mon épée? T'abandonnes déjà? Mais non, rassure-toi. Je n'ai aucune raison de me retirer d'une course aussi passionnante. Allons, allons. J'ai bien l'intention de rouler jusqu'au bout. Voyons lequel de nous le tiendra le plus longtemps. Accrochez-vous bien. Et bam. Bien. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Jesse, prends le guidon. Bon boulot. Ah là là, je dois m'arrêter là. Dommage. Très bien. La prochaine fois, on s'affrontera que toi et moi. On verra. Et... tu m'échapperas pas. Bien joué. T'es trop balèze. C'est pas encore gagné. Planquons-nous avant l'arrivée des renforts. Ouais, on va se retrouver, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Il y aura une jolie bagarre encore, j'espère. 10 sur 20. 10 sur 20, pourquoi? Ta conduite. J'ai pas besoin que tu me donnes une note. Mais, avec une note pareille, y a pas de quoi faire le fier, hein? Pour de quoi? J'aurais préféré être un peu plus secoué. Et si t'étais tombé? Non mais dis donc, qu'est-ce que t'insinues? Hein? Hein? Accroche-toi comme il faut. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais pas tenir longtemps. Hein? Non, je rigole. Ah. Voilà, on est arrivé. On va laisser les motos. On va faire le reste à pied. Il faut être discret. On est en ville et il est tard. Ces lunettes me rentrent dans la peau. Ficelé comme un rôti. Arrête, j'ai déjà assez faim comme ça. Oui, je sais. On va bientôt manger. Allez, filons.
Et nous, on va s'arrêter ici et on va reprendre bientôt. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et restez confinés. Voilà. Et j'espère que vous allez bien. Voilà. N'oubliez pas de mettre la cloche et pour voir la suite. Je vous dis à très bientôt. Bisous à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.